Et enfin, on a salué et puis remercié tout le monde qui branche le téléjournal sur la télévision nationale d'Haïti dans le moment ça. On a démarré tout de suite avec information pour nous faire connaître dans le grand sitio. Eh bien, président Jovenel Moïse retourné dans le pays d'Haïti après plusieurs visites officielles qui ont été faites pendant les derniers jours dans le pays Mexique, Trinidad et Tobago et puis Cuba. Chef l'État qui t'est rencontré avec étudiants haïtiens dans la Havane t'est profité annoncer disposition qui prend pour améliorer conditions boursières haïtiens dans le pays Cuba. On suit en bout dans déclaration. Moi, t'ai participé à l'investiture du président Manuel López Obrador, qui est le nouveau président mexicain. Et moi, j'ai eu une chance de parler avec plusieurs autres chefs d'État que j'ai rencontrés qui ont participé à l'investiture. Et le monde qui a fait plus de temps avec lui, c'était le président dominicain, le président Medina, qui nous a fait une longue conversation sur la coopération haïtienne-dominicaine et sur la relation que nous avons gagnée dans les affaires, l'infrastructure agricole dans le pays, parce que lui-même actuellement il a pile infrastructure agricole qu'il a développée dans le pays PAL. Ensuite, je suis retourné à Haïti et j'ai dit hier, je suis quitté le pays, je suis allé à Trinidad. Je suis participé à une réunion spéciale chef d'État caraïbio sous question marché commun et économie unique. Là. Et il ne faut pas oublier ce qui est important dans le sujet ça, ces affaires. Libre circulation moun dans l'espace Caraïbe. Ça veut dire, même Jean Babad de Sotfel, qui permet à Haïtien aujourd'hui, qui a voyagé librement, il doit aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier, car comme son espace que lié, c'est pour ça qu'on a travaillé, mais dans pile travail nous-mêmes qui bon côté pas nous pour nous faire, dans le niveau parlement, il y a pile accord qui mérite pour ratifier. Grand pile projet de loi tout qui gagne qui pour voter et nous parlons de travail avec le président Sénat République là, président Chambre des députés hein, pour nous travail sur pour accorder guide à nous sur agenda législative année à venir hein, qui pour permettre nous travail pour nous mettre pendule à l'heure pour nous capables mettre nous dans situation côté tout pays dans Caraïbes là yo même yo capable mettre au pas avec nous dans toute démarche que nous venons pas le faire pour permettre ça faire libre circulation des personnes dans économie unique qui a parlé living possible parce que dans affaire économie unique là pour ne pas oublier gon problème de tarif douanier ça veut dire les tarifs douaniers. Pour nous capables d'allier nous, il faut tarif nous lier à tarif pays caribéen. Dans le pays Cuba, dans le cadre de 20 ans de coopération bilatérale que Haïti a à Cuba, jeudi 4 décembre, c'est anniversaire de la coopération. Ça fait 20 ans, ça veut dire 11 jours, tant qu'aujourd'hui, le 4 décembre 1998, Haïti a signé un accord de coopération avec Cuba. Et il était important pour moi pour m'aller et pour me parler avec le président Diaz-Canel qui était reçu voir et pour me dire que chaleur que nous recevons dans le président Diaz fait me comprendre que la coopération, ça a gagné 20 ans, il a voulu durer longtemps. Il faut me dire que nous avons parlé avec lui comment pour nous faire pour nous utiliser la coopération. Parce que j'en nous connais de dire, nous allons continuer, nous allons corriger, nous allons innover. Je dis en coopération, ça a ben nous plus passé 1000 médecins qui formaient Cuba. Mais dans le nouveau programme que nous avons, le programme de développement que nous avons, ce n'est pas seulement médecins que nous avons besoin aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, nous avons travaillé avec Cubains,
dans la construction de barrages d'irrigation qui a fait dans le pays. Par exemple, le barrage Marion qui a construit, c'est Cubain, 15 spécialistes cubains, qui ont 32 jeunes cadres. Nous voulons parler de 32 jeunes ingénieurs agronomes haïtiens qui ont même qui apprennent formation dans les Cubains pour le Cubain finalé, pour nous gagner haïtien ça yo même qui là qui est capable de charge dans entretien et construction barrage irrigation tout pour l'avenir. Et nous avons une chance avant nous quitter Cuba de recevoir quelques étudiants haïtiens. Nous voulons parler de étudiants qui coordonnaient groupe étudiant qui a étudié la Havane. Nous pas de temps ouais avec équipe Santiago, parce que comme nous connaissons Santiago de Cuba très loin. Et je dis, c'est un jour l'école pour eux. Mais, Tortellus fam. Bien, ça m'entendait, qui va te faire bien du tout. Là, on s'est mon étudié et puis l'État fait 3 mois, il y a des cotisations pour vous et pour eux qui vous permettent de. Il y a des besoins primaires, ça veut dire nous parler de. Par exemple, photocopie, nous parlons de recherche dans Internet que tout le monde a pour le faire. Et l'autre besoin que vous gagnez, vous dites moins que vous ne pouvez pas recevoir comme ça depuis 3 mois. Moi, qui parle avec le ministre des Affaires étrangères, ensemble avec moi, le ministre de la Santé, hein. Il y a une décision qui prend, vous prenez pendant au Cuba même, et à partir de demain, les gens qui ont la lavande ont recevoir ce qu'ils ont gagné 3 mois qu'ils n'ont pas eu. Et il faut dire l'autre, ça encore qui est important pour nous, c'est que nous avons une discrimination. Nous avons le même bagage. On a toujours été ensemble avec le président Jovenel Moïse qui renouvelait l'engagement administration pour créer un climat la paix dans le pays. Chef État salué travail, Premier ministre Jean-Henri Séan a fait pour rencontrer tout secteur dans le pays. En suivant bout nos déclarations. Ma profité, félicité, travail, mon ouais, à partir de. Information que je viens pendant mon autre bois de travail que la police nationale a fait dans les affaires de sécurité dans le pays. Mais je dis que c'est son travail que nous pensons qu'il ne peut pas camper du tout. Parce que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de sérénité. Et je profite de l'occasion pour moi, pour un coup de chapeau pour le Premier ministre, parce que je connais qui a travaillé, qui a rencontré mon jour et nuit. Dans les affaires dialogue là. Parce que je nous dis, pas dans quel pays sous la terre qui a développé sans stabilité politique. Stabilité politique, là, je nous ai toujours dit, c'est le premier des biens publics. Pas dans quel côté que nous allons aller sans bien ça. Son bien qui est important pour nous en pile. Pour nous y en, nous allons garder l'autre dans les yeux pour nous dire la vérité. Parce que c'est Haïti d'abord. Chaque monde qui comprend que ce n'est pas collectivité là. Que nous prenons sous tête par nous, nous faisons des fautes graves. Parce que le pays, si nous y mettre tête nous ensemble, nous avons pile gros bagage que nous avons fait pour lui. Et il ne faut pas oublier que le pays, c'est 27 750 km², pays, c'est 146 communes, pays, c'est 572 sections communales. Ça veut dire tout haïtien, ça y est, il y a toujours les vivre avec l'autre. Nous-mêmes, qui je dis, qui élite pays, hein, nous avons un seul choix. C'est mettre tête nous ensemble. Élite politique, élite économique, élite intellectuelle, tout secteur organisé dans la société, hein, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous passer un Noël dans la paix, un Noël dans la sérénité, un Noël dans l'un et l'autre, parce que, il n'y a pas de côté que nous amenons. Et c'est pour nous dire, tout le monde, qui a fait politique à provocation. Faut nous garder calme, nous garder sérénité, nous, parce que c'est démocratie. Faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord avec, faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec.
Et puis, j'en déjà connais le membre Conseil supérieur de police nationale et l'Assemblée sénatoriale réalisé une séance de travail mardi 4 décembre sous question sécurité à nos pays. Premier ministre Jean-Henri Séan précisé qu'il y a un pile de efforts qu'a fait sous question sécurité à pendant les parler sous travail divers institutions dans l'État a fait pour garantir un climat de paix dans le pays. Un extrait d'un micro fédéral confident avec Isabella Chéri. D'après loi sur la police, là, c'est trois réunions ordinaires CSP qui vous le fait par an. Et bien, depuis monter, c'est une réunion extraordinaire, même nous sommes sous 7 déjà avec la police. Là. Et je voulais là, prendre tribune ça, pour me remercier, féliciter le directeur général de la police. Là. Policiers, qui font travail, que je demande pour tout le monde commencer à apprendre, comprendre, capable d'évaluer par rapport à la capacité, moyen que vous gagnez. Mes amis, 16 000 policiers pour 11 millions d'habitants. Dans le pays, côté insécurité, ce n'est pas Jodi Alvini, insécurité a, là, quelques jours, beaucoup de déraciner, mais la police a gommé avec mes moyens de gagner et petite quantité effective de gagner. Jodi, Parlement de nous, dans le branche Sénat, et me sûr, c'est pareil, dans le branche député, moi certain, nous allons gommer ensemble pour nous battre la police à moyen, non seulement pour augmenter l'effectif, mais aussi pour être capable d'équiper tête li pour travailler à la fête. Il y a un pile problème. C'est certain, nous ne pouvons pas déballer tout le bagage là, parce que le travail qu'a fait au niveau de la police, au niveau du CSPN, il y a un pile bagage, c'est à huit clos pour nous traiter. Même quoi ce moment, pour nous dire la vérité à peuple haïtien. Vérité à tous côtés et m'espérer. M'espérer que chef de police là que je connais tel que je connais, avec capacité le gagner pour que le retrouver calme et sérénité, capable de dire tout. Tout la vérité sur question. Parce que le peuple haïtien l'a suivi, non. Je vous dis à ce moment vérité, que vérité a parlé entre nous. Et c'est cette vérité ça qu'a fait. Que nous tous suspendons goumen yon contre l'autre. Parce que le pays est en danger. Insécurité allemande et tout le monde. Nous sommes dit là, président. Insécurité a fait ravage et insécurité ça l'entrée dans ce cycle là. Pas qu'il investissement dans le pays à tout le temps d'insécurité. Pas qu'il touriste dans le pays à tout le temps d'insécurité. Pas qu'il production nationale tout le temps d'insécurité. Nous avons toujours été dans le palais législatif, là, mais une fois ça, c'est avec député circonscription Jacques Mella, qui est Jean-Philippe, qui dit qu'il y a un procédé qui traçait pour lever l'immunité yon parlementaire, qui t'a impliqué lever l'immunité. Il était dans le micro, fait bien confident avec Isabelle Lachéry. Maintenant, de la police, n'importe officiel qui t'apparaît devant eux, qui vient pour un bandit, arrêtez officiel. C'est rapport des forces. Pourquoi ça me dit arrêter officiel là? C'est parce que l'immunité n'a pas dit pour faire obstruction à l'exécution de la loi, à monde qui a mis l'ordre. L'immunité est là pour empêcher ou gagner des persécutions par rapport à la position politique. Et ce qui est important pour me dire, c'est que tout le monde qui a parlé de question implication officielle, question levée immunité, il connaît bien procédure pour lever immunité. Faut que le commissaire gouvernement prépare le dossier et le ministre de la Justice a saisi le Parlement. Donc, je ne veux pas qu'il y ait diversion, retirer le problème d'un côté pour placer de l'autre côté. Et tout le monde qui est officiel est là pour protéger et garantir et normalement que l'institution va marcher bien. Donc, la police n'a pas de plaindre, la police doit faire travailler. Tout officiel qui vient barrer la police a fait travailler pour la police peut arrêter maintenant le Parlement. Et le bureau a saisi et le gouvernement compte ça pour le faire pour lui entamer la procédure pour lever l'immunité parlementaire. Moi-même, si vous parlementaire qui est impliqué dans la question de la police, dans mettez bandit par code, moi-même prêt pour voter contre lui depuis qu'il y a preuve.
N'a pas enchaîné avec député circonscription Belle-Aderland, Gershon Guérard, qui démentit quelques agents douaniers qui t'a longé douette sous lit, comme moun qui t'a en contrebande. Palmentea même mettait agent douanier Silayo en défi pour prouver côté li impliqué dans dossier contrebande. En suivre. Nan moment frustration, t'as dégagé frustration, agent douanier, t'as fait quoi? Toujours campé bon côté moun. Et puis faire bio et douanier yo connaît qui est ce contrebandier yo. Et dans la douane moun ki a goumen pour le chercher l'argent manger petite li kal passe misère ou le contrebandier moun ki rentre dans douane ki gon marchandise nous dénoncer ça yo et n'a dit nous te tout simplement pendant occasion dit tout moun k'ap utiliser la force faut que li utiliser force proportionnelle nous pas k'ap comprendre sur toute frontière yo. Chaque monde que un agent douanier tué, c'est même genre un chien que machine crasée. Et organisation qui défend droit moun yo pas jamais accompagner famille moun sa yo. La justice pas jamais al garder pour faire différence entre un zak que un douanier lui-même li poser avec un monde qui a fait contrebande. Comment ka comprendre pour un monde qui sont motocyclette ou bien qui sont en jeep pour agent douanier uniquement tirer. Nous croyons que c'est parce que l'agent l'État paye nous pour nous d'accord ça. Nous dénoncer, nous dit c'est occasion pour tout le monde comprendre. Fok gagner de institution qui mettait sous qui contrôler zak tout le monde qui azam a fait. Dans sens ça nous-même nous dit n'importe monde capable à le vérifier. Si vous connaissez pas l'adresse là, ou relé dimanche sous côté ou ligon business. Moi pas importateur, moi pas commerçant, moi pas exportateur. Et si c'est pour dossier Jean Douanier Adil, me charger dossier, me grand pile dossier, tout dossier moun que vous a fait abus sous frontière ces dossiers. Pam. Et ça fait moi toujours pointer du droit comme député contrebandier, c'est parce que ni député qui sorti sous zone frontalière, yo pas jamais accompagné moun qui sous frontière qui a fait abus. Ni organisation qui a défendu à moun, pas jamais campé pour le dire, c'est pas parce que yon moun a sous frontière, li a un sachet spaghetti nan mel, li a un petit sac nan mel pou ka tirel, et depuis ces douaniers qui tirent moun, yon touré le contrebandier. Koun yon a fait connaître autorité, ministère des Travaux publics, nan département, nan tête collé à bureau, député. Le Man premier et puis député Wilner Gerville, lancé week-end passé un travail construction tronçon route Arnaud Rivé Viebourg d'Aquin. Outil qui passait tout dans la commune Lazile pour faciliter circulation moun ak machine dans la communauté ça. Travail construction tronçon route ça rentré dans cadre volonté autorité gouvernementale pour relier yon ak lot différentes zones en dans pays a. On suit. C'est une grande satisfaction pour nous. Pour nous là, en pile très content, en pile espoir pour lancement caravane dans la commune Lazile. Malgré qu'il y a un pile de monde qui sous doute, qui toujours a posé des questions, spécialement à moi-même, magistrat, est-ce que route Lazile Viebourg en Savoie a privé fait? Moi, pas de doute. Pour me répondre, vous me dites oui, route là a fait. Et ce qui s'en base, vous me dites route là a fait, c'est parce que moi, président déjà fait route en pile côté de la PIA, il fait en nord, il fait en sud, il fait en l'ouest. Pour qui ça, c'est nous-mêmes la NIP, qui pour t'avoir doute que route la NIP n'a pas fait. Donc, ça va nous en pile espoir. Depuis le petit concours, ma boue m'a belle jeune. Promesse à tête sous dos. Où ça? Dans le gros jour ça, bénédiction commence à tomber. Si la pluie ça, qui tombe là, moi c'est son bon signe. Je dis à l'administration, nous avons dit qu'il n'y a qu'un département ni plan. Donc la ville sont comme une transversale. Eh bien, l'administration, Moïse, Seyant, attaqué, et je dis à l'Ivigny pour lancer construction route. Car ceci, Viebourg pour entrer l'asile, l'asile à nous et à nous en savon. Ils sont bons signés, les hauts gouvernements, les hauts présidents, hauts administrations, pensez à arrière-pays à comme ça.
décentraliser l'activité qu'a fait yo. Parce que ça fait longtemps, l'asile attendait parler de construction route, mais c'est pour grande ville yo. Mais je dis, ya, donc, gouvernement ça, administration ça, pensez à ça, tout le monde fait son bon signe. N'a prêté sous même lancer ça pour nous rappeler 65e conférence lundi de la presse là, lundi 3 décembre 2018 là, c'est occasion pour ministre travaux publics, transport, communication en Fritz Kayo parler sur un ensemble travail qu'a réalisé dans divers départements dans pays là, tant qu'au Grand Nord à l'Ouest. En suivre. Dans l'Ouest. On va intervenir dans tronçon Peignier. Route et l'ouverture, quand nous avons des CPG, nous commençons à ouvrir ça fait quelques temps. Nous avons tout les bois qui là, nous sommes déplacés, nous allons mettre en troisième voie. Et nous avons pont Tabar vers Marassa, là, sur environ 2 km de pont Tabar là, vers Croix des Bouquets, sur 2 km, nous avons environ un mois depuis nous commençons déjà la donne, nous avons continué dans 4 programmes. Là. Nous avons Cité Soleil. Cité Soleil, nous avons une zone barrière fait, nous avons une fontaine, nous avons rapatrié. Nous avons but boyer, nous avons une côte plage. Nous avons une route nationale numéro 8, nous avons une côte plage 26, nous avons une côte plage 28, que nous avons une route nationale numéro 1. Nous avons une Moré pour 40, nous avons une route des rails. Croix des Missions, Clercine, qui passait exactement dans la zone de Noué, l'église Croix des Missions, du marché de tabac, Clercine 15, nous avons Port 67, zone Charpentier, Montibon Carrefour, nous avons la route nationale numéro 2 à Carrefour, à partir de l'intersection route des Rala et route nationale numéro 2 en allant vers le sud, nous avons intersection route nationale numéro 2 et Carrefour par les rails. Ensuite, la rue Larac. Parallèlement, comme l'Ouest là, son côté extrêmement difficile, nous avons décidé, parallèlement, au moins, et initier des travaux à niveau. On prend ma fèche faussée, et surtout ma fèche faussée maçonnée. C'est des travaux durables. Nous prenons intervenus, par exemple, au niveau de l'Artibonite, là, sur une longueur de route de 3642 mètres linéaires. Au niveau du centre, environ 2466 mètres. Dans le niveau nord, nous allons intervenir sur 3521 mètres linéaires de fossé. Et nord-est, sur environ 3418 mètres linéaires de fossé. Au niveau du nord-ouest, sur environ 4178,57 mètres linéaires. L'ouest, nous allons intervenir sur 11802, ça va environ 11 km de route que nous avons fait dans le département de l'ouest. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, Naptoune. Merci parce que vous avez toujours été branché journal là. Nous retournons pour nous continuer à informer, pour nous faire connaître Jean Tédil dans Grand Site Autour. Organisation internationale francophonie, officiellement forum entreprendre en francophonie, mardi 4 décembre, dans le local Triomphe sous Chonmas. Renforcer capacité pays francophonio et puis faire promotion travail entrepreneuriat femmes et jeunes, c'est quelques parmi priorités forum SILA. Stéphanie Charles avec Michaud Joseph. Francophonie pour amélioration environnement entrepreneurial pays à renforcer capacité pays francophonio, faire promotion travail entrepreneuriat pour femmes et jeunes qui souvent isolé, c'est quelque parmi objectifs. Quatrième édition forum ça, qu'a fait n'importe où presse, d'après directeur bureau régional OIF pour Caraïbes et Amérique latine. Bienvenue à un moment où le gouvernement mobilise l'ensemble de la fonction publique à recréer un climat convenable aux investisseurs, mais surtout à celles des jeunes et aux jeunes femmes. À ce titre, il n'y a pas longtemps, ici même, le ministère a lancé le programme d'appui pour l'entrepreneuriat jeunesse, qui a son surnom PAPEJ, qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeunesse en vue de créer beaucoup d'emplois, ce qui va avoir des incidences positives sur l'économie nationale.
Directeur général ministère commerce et industrie fait connaître forum ça vini dans un moment côté gouvernement décidé créer un climat qui favorable pour jeunes yo dans l'idée pour créer plus job. Daniel Denis dit que jeunes ça yo c'est clé économie et puis vecteur développement dans pays d'Haïti. Le présent forum s'inscrit en droite ligne de cet engagement aux côtés des jeunes et des femmes de la région des Caraïbes. Le forum entreprendre en francophonie est une initiative portée par la direction de la francophonie économique et numérique et promue dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Cette action de l'OIF s'inscrit dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors de leur sommet en novembre 2014 à Dakar. Le concept de fora entreprendre en francophonie va au-delà de la question essentielle de la formation en entrepreneuriat ou embrasser tout particulièrement des activités portant sur l'amélioration de l'environnement entrepreneurial, l'échange d'expériences et la mise en réseau des acteurs. C'est vous dire que l'OIF est en parfaite symbiose avec le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Quatrième édition Forum Régional SA, qui a réalisé dans Port-au-Prince pendant des journées, a permis à Francophonie de faciliter l'échange pour une amélioration entrepreneuriale dans le pays. Ça, en Haïti, bureau secrétaire d'État Moun Handicapé a été organisé une journée réflexion sous thème Ensemble avec Moun Handicapé en travail. Falan Delphin, Michel Joseph pour reportage. Santé reproductive, Moun Handicapé et santé sexuelle, Moun Handicapé, c'est quelques divers sujets qui ont été débattus pendant une réflexion ça dans Pétionville. C'était l'occasion pour soulever point qui gagne aspect sensible dans la vie Moun Handicapé et importance activité sexuelle Moun Handicapé. D'après le secrétaire d'État pour l'intégration Moun Handicapé, Gérald Auriol Junior. Tout le plaisir est pour moi de clôturer cet atelier autour de l'importante question de la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes vivant avec un handicap. Je me réjouis de la volonté clairement exprimée à associer ce 3 décembre Journée internationale des personnes handicapées à ce thème. Je voudrais du coup remercier particulièrement les différents partenaires pour avoir porté au jour dans l'espace public cette dimension souvent ignorée de la vie des femmes et jeunes handicapés. Comment vivent-ils leur sexualité et leur santé reproductive? Pour plus d'un, ce sujet reste-t-il encore tabou, au risque d'ignorer ou de faire semblant d'ignorer qu'une personne handicapée puisse avoir une vie aussi normale que les autres? Voilà donc tout l'intérêt de ce qui a été mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, soulever l'idée du rapport des personnes handicapées à la santé sexuelle et reproductive en Haïti, c'est mettre au jour un aspect sensible et critique de leur vie. Il s'agit de se demander si, dans la pratique, comme sur le plan philosophique ou des représentations sociales, les personnes handicapées sont normales et égales à toutes les autres. Le monde handicapé autonome et puis assurer participation à l'égalité. C'est thème ça, Nations Unies Kembe, pour commémoration Journée internationale Moun Handicapé, année ça. Connaissez-vous ce thème qui choisit dans le cadre de célébration Journée mondiale SIDA, 1er décembre qui se passe à directeur ONU SIDA Haïtien, Yaflo Ouattara, encourager tout le monde à chercher connaissez-vous pendant que vous avez fait test dépistage. Plus loin, Yaflo Ouattara mandé pour éviter mettre sous côté dans la société à monde qui vivent avec VIH. En suivant. Vous savez, l'ONU SIDA, depuis juin 2016, lors de l'Assemblée générale à New York, a
mis en place une nouvelle stratégie qu'on appelle les 90-90-90. Qu'est-ce que ça signifie? Nous voulons d'ici 2020 que 90% des personnes qui sont séropositives connaissent leur statut, c'est-à-dire sachent qu'ils sont VIH positifs. Nous voulons que d'ici 2020, que 90% des personnes qui connaissent leur statut puissent accéder au traitement. Et nous voulons que d'ici 2020, si elles sont séropositives, voilà, que okay. les 90% qu'on a diagnostiqués, okay. que ces 90% de ces personnes-là puissent accéder au traitement. Okay. Et nous voulons également que d'ici 2020, que 90% de ces personnes qui sont sous traitement puissent avoir une charge virale indétectable. C'est-à-dire quoi? Qu'ils puissent avoir un taux, le taux de virus, la quantité de virus présente dans leur sang soit vraiment à des niveaux très, 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 très minimales. D'ici 2030, nous voulons que ce soit 95%. Donc, ce sera le 3,95. Et le premier 90 ou le premier 95, pour pouvoir l'atteindre, il faut amener les gens à connaître leur statut. Aujourd'hui, nous avons environ 9 millions dans le monde entier, 9 400 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut. Nous allons poursuivre ensemble avec Fondation René Cassin qui démarrait lundi 3 décembre avec 7e session formation droit international Douamoun qui a déroulé sorti 3 pour arriver 13 décembre à Cap Vinila dans le local l'école magistratia. 7e session formation SILA qui a fait sous thème lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme, visait réunir divers acteurs dans le domaine Douamoun, dans objectif pour brasser l'idée sous ensemble Douamoun gagné. N'a pas invité nous suivre un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph. Cette année, ce sont les discriminations qui vont être passées au crible du droit international. C'est la question de l'égalité qui va être au cœur de l'enseignement et des débats. Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme, tel est le thème de cette année. Le choix de ce thème, aujourd'hui, est la volonté de consacrer des années à la subtile dialectique contre Tortellus Fam. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne les normes, le droit international que tous les autres témoignent, l'évolution des esprits, depuis la Déclaration universelle de 1948, dont René Cassin est le rédacteur ou l'un des rédacteurs, l'ordre juridique s'est enrichi de nouveaux droits. Les domaines de protection sont de plus en plus précis. Génocide. Abolition de l'esclavage, lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur la race, le sexe, le genre, la religion et la conviction politique. Le programme que nous vous proposons donc cette année est aussi riche que vous pouvez l'imaginer. En plus de protection des droits de l'homme, le système européen, le système universel et le système interaméricain, vous serez amené à réfléchir à différentes problématiques qui ont été envisagées dans ce programme comme particulièrement pertinentes pour Haïti, mais également à des reconnaissances en droit des réfugiés. Je me réjouis à cet égard de la présence de plusieurs intervenants de haut niveau qui interviendront dans le cadre de cette session de formation.
Nous aurons en effet le plaisir de compter sur la présence d'un maître de conférence français, d'un professeur américain, d'un fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies Droits de l'Homme, ainsi que du chargé de liaison à Haïti du Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les intervenants haïtiens ne seront pas en reste, puisque nous compterons sur la présence de M. Renan Edouville, protecteur du citoyen d'Haïti, qui nous fera l'honneur de prononcer la conférence de clôture la semaine prochaine. Et des cours thématiques seront également prononcés par M. Chesnay Jean-Baptiste, représentant la société civile au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ou encore de M. Abdonel Doudou, directeur exécutif de Jury Média, mais qui est également le lauréat de nombreuses sessions de formation de Port-au-Prince, qui était donc à votre place l'année dernière encore. Quelques citoyens qui déjà commencé à bénéficier de service ça, féliciter l'autorité l'État pour l'initiative ça, qui permet d'utiliser Internet pour envoyer messages et puis faire recherche à partir du téléphone. Yo. Plus loin, citoyens ça yo souhaité autorité yo mettre signal Wi-Fi gratis sous l'autre place publique dans le pays pour plus de monde qui a bénéficié même service ça. On suit un extrait. Ce bail a été annoncé depuis quelques mois. Bon, c'est quand même intéressant. J'essaie de faire une recherche. Bon, moi, signal Wi-Fi a monté. Moi, intéressant. J'espère que ça va continuer. C'est pas seulement au niveau champ de mars, parce que je vais habiter dans la zone, je vais habiter en pleine. Ça veut dire si son bail était capable sur toutes les places publiques, ça va être intéressant. N'a prend dernier pause d'où n'a retourner national pour nous faire connaître gentil dit dans grand sitio ville wash en suivant ensemble. C'est dans bâtiment ça côté congrès qu'on réunit au rendez-vous hommage lundi 3 décembre 2018 là à 41e président américain George Herbert Walker Bush. Élite classe politique là te répond présent dans cérémonie ça, une cérémonie normalement petite li George Walker Bush qui lui-même était 43e président pays États-Unis t'a assisté. Président américain Donald Trump avec Madame Lee Melania, qui était présenté dans la souhait, qui fait une salutation militaire et puis coupe la théâtre. Dans l'année 2016, George Herbert Walker Bush a fait connaître qu'il n'a pas voté pour Donald Trump. Finira la cap chanter demain mercredi 5 décembre à Pyongyang Day National. Après cérémonie dans Washington, il y a déroulé dans Houston, dans Texas, côté enterré. Union européenne, non, Manuel Campos Sanchez Bordona, estimé la courante a doué déclarer article 50 constitution qui permet pays Grande-Bretagne renoncer pour compte li sans pas besoin d'autorisation l'autre État membre. Il y a une possibilité qui continue à exister tout autant accord retrait a pas conclu en façon formelle. L'information s'est à doué fait débat dans le Parlement britannique là qui à peine commencé à examiner accord qui conclut avec Union européenne non dans l'idée pour organisation yo voter 11 décembre cap vinila. Conclusion avocat général là, en pile fois la cour a adopté mais elle pas obligée puisque conclusion ça yo c'est proposition juridique la cour libre pour l'appliquer yo ou soit rejeter yo. Président République Jovenel Moïse retourne dans le pays à mardi 4 décembre après se participer dans une rencontre extraordinaire chef d'État et chef gouvernement CARICOM dans Trinidad et Tobago et puis dans la célébration 20 l'année coopération Haïti à Cuba dans le pays Cuba. Conseil supérieur police nationale répond mardi 4 décembre avec invitation Sénat République sous divers points qui ont rapport avec la situation sécurité pays à. Tout le monde qui a fréquenté la zone Champ de Mars a gagné accès gratis à service Wi-Fi. Jean-Président République l'ont promis qu'il a déjà commencé à bénéficier de service ça. Féliciter l'autorité de l'État. Organisation internationale francophonie l'ouvre aujourd'hui à Forum Entreprendre en francophonie. Ils ont activité pour renforcer la capacité pays francophonie et puis fait promotion pour entrepreneuriat dans les temps femmes et jeunes.
À l'étranger, ville Washington rend hommage by George Herbert Walker Bush à lundi 3 décembre, en cérémonie qui déroulait en présence président américain Donald Trump. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça. En présentation, c'était Linela. Nous remercions toute l'équipe qui est mobilisée pour te rendre possible. Et puis, nous souhaitons une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.